Wow, le stream de l'amour, le stream de la tendresse, ça c'est maintenant, oui, 19h, The Big Game of Ski, le nouveau, le tout frais du jour qu'on vient à peine de démouler. Je parle bien du stream. Donc aujourd'hui, on repart au fin fond des limbes, des archives, du schmappa, pour déterrer un titre qui date de 1992 et qui s'appelle SS Mission. Je vous avoue avoir mis le nez dedans sans plus et ne pas trop avoir eu envie d'y revenir si tôt, quoi. Enfin voilà, SS Mission. Joli typo. Un peu d'espoir. Alors oui, ce jeu fait un petit peu tardif en 1992 parce que le graphique, c'est pas à la hauteur de ce qui se fait chez les voisins. Par contre, ça n'empêche pas qu'il a sûrement un gameplay intéressant. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Non, là, il y a encore un petit problème, je sens, mais bon. On va le voir en jeu. Salut! Eh bien, je suis Terry, le fameux Terry, celui de Magnum, tu m'as reconnu. Et aujourd'hui, je suis pour monter les pilotes mon hélicoptère bourré. En me disant, tiens, des trucs qui volent si je le rentre à moi. Tout simplement, car je n'aime pas être accompagné par un jeu quand je vole. C'est comme ça. Magnum me l'a toujours dit, je ne te fais jamais emmerder. Et donc, je prends le truc de pénètre, j'arrive, je détruis, je désintègre, je malaxe, je bois. Bref, j'anéantis tout ce qui passe à ma portée avec mon hélico que j'ai fait transformer en deux boules en roquettes. Tiens, je vais prendre une boulette. Oula, 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 alors attends, trop de bonus, tu bonus, mon gars. Là, ça va calmer. Je tire bleu, non mais. Voilà, c'est du rouge qu'il me faut. Ça tire en largeur, sinon je suis malheureux. Donc, c'est bien, le top. Alors, c'est à peu près jouable, même si la visibilité est un petit peu en carton, quoi. Oh, magnifique ce tir bleu qui tire bien, bien concentré. La visibilité, regardez-moi ces poubelles là, un peu terne sur un fond, un peu terne, pas assez contrasté justement. Et donc ça fait penser à des camions d'ici, pour être possible. N'est pas dimanche, oui je sais, dimanche c'est loin, et je suis pressé cette semaine, à cause des shmups que je ne sens pas non plus. Pressé d'être ce week-end parce que ce week-end on va faire du stream. Je dis non parce que maintenant il y a des chances qu'il y ait un week-end et lui ça arrive. Quand je dis il est attention, le prestige, la classe, c'est pas la michu. Mais je m'égare, revenons à notre shmup. Alors, SS Mission, est-ce que c'est original? Non, c'est ça. Red 1942 like. Terrible, terrible. Joli, ça c'est sur le coup. C'est pas mon tasse. Jouable, oui, ça l'est. Mais il a un petit poil simple. Et même avec le système des armements, choisir 3 catégories différentes avec le LL. On va voir la gueule du boss si on aura besoin. Alors moi, le seul truc que j'ai l'impression d'avoir repéré, c'est qu'il y a une jukebox qui fait la taille dans le. Je pense que c'est l'intégralité du rectangle central entre les deux trucs qu'on a sur les ailes. Et oui, ça fait un beau morceau quand même. Parce que regardez-moi ça, pour le glitching, c'est pas pratique. Je pense que ça va m'énerver. Et oui, regardez-moi ce hitbox de ouf. Oui, c'est la faute à la hitbox, parce que je joue comme un dieu, bien entendu. Ça c'est pas prouvé, tout le monde a ce. J'essaie de jouer de manière pas terrible, comme vous joueriez vous en fait, pour pas vous faire trop là. C'est important que vous jouiez. Je vous attire qu'on en ramasse un peu plus. Pourquoi? Allez, faut. Oui. Donc ça devait être un shoot. Je suis plus. Oui, je suis plus. Des origines micro-ordinateurs.
Là, je verrais bien ça qui a été développé sur le MSX, au niveau plus contemporain, parce qu'en 90, on avait pas un classeur dans le MSX. Et qui a donc été développé sur une espèce de plateforme 16-32 bits, bien évidemment, à ce moment-là. Et des couleurs sur le câble. Pour notre plus grand malheur, pour notre plus grande curiosité, on va dire qu'on est un peu plus simplement, c'est pas possible. Biélons, en fait. Donc vous avez pas dû entendre ma voix depuis le début du stream. Je vais parler un peu fort, comme si je m'adressais à des vieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va parler un peu fort, comme s'il s'adressait à des vieux, vu qu'il a oublié de régler le volume. Ah! Et il peut pas le faire en plein milieu du stream? Ben apparemment non, il a les mains occupées là. Ah! Ça fait pas très pro tout ça, moi je trouve. Là je suis bien d'accord avec vous. On va sur Jour du Grenier, et ça a l'air mieux monté quand même. Non, 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 bah c'était là, c'est bien. Normalement, il y a un pot gratuit à la fin. Ok. Là, je suis désolé pour son, j'ai oublié d'équilibrer. Je ferai un topo à la fin du stream, pour la peine. Vous savez quoi? La fin du stream est venue. Et oui, et oui, et oui, c'est comme ça maintenant. Alors oui, désolé, j'avais oublié de régler la balance du son. Donc vous avez peut-être dû manger un petit peu l'audio du jeu à fond pendant que vous entendiez un mec qui marmonnait derrière vaguement. Ma faute totale. Alors pour revenir au jeu, qu'en pensez? Niveau originalité, zéro. Niveau graphique, c'est pas terrible. Niveau gameplay, c'est jouable, certes, mais c'est que du classique. Moi, je suis désolé, ce genre de produit va vite dans la malle au grenier avec toutes les choses qu'on oublie un petit peu, parce qu'en faire une sélection, c'est hors de question, quoi. Ceci dit, le jeu n'est pas mauvais, à proprement parler, mais il existe mieux de la même période, fait par quelqu'un d'autre. Voilà, je crois qu'on ne peut pas mieux résumer. Sur ce, eh bon, on termine ce stream sur le bisou, sur le... Faites ce que vous voulez, tiens, sautez sur un pied en vous mettant l'index sur le nez, tiens. Et postez en commentaire vos liens vers vos vidéos, je vais vous voir faire ça. Donc vous sautez sur un pied en vous maintenant l'index appuyé sur le nez. C'est très important. Et je vous dis à demain, 19h, parce qu'on va faire un nouveau jeu. Et un nouveau jeu de quoi? Je n'ose même pas en parler. Attention, ça va couper, j'ai un tunnel qui arrive là.